désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils ne nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit être. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Ça ira. Merci. Elizabeth Wilson, j'écoute. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Emily a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité ? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci.
J'ai besoin de ton aide. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Je m'occupe de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Thank you.
Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé hey! Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne... J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter.
C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons qu'un État soit réservé aux androïdes afin de pouvoir y fonder notre propre nation. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus. On doit sauter, vite. Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas. On peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Je ne tuerai pas l'un des nôtres. Simon, on doit y aller. Je suis désolé. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit. Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 7. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du message. Il pourrait être perçu comme une déclaration pacifique, mais qui est en réalité une liste de revendications inquiétantes. Mais la chose la plus surprenante de ce message reste la demande faite au gouvernement des États-Unis de céder un État aux androïdes. S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ?